mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je laisse tout passer. Tu es tellement belle. Merci. Je n'arrive pas à croire que cela est déjà en train d'arriver. Si, c'est réel. Et j'en ai la certitude que tu seras la prochaine. Pardon, tout le monde n'est pas appelé à ces marques. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. Un instant, Charles. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé voir la mariée avant le jour du mariage. S'il te plaît, quitte sur mon chemin. Bébé, tout va bien? Je pensais qu'on s'est entendu sur quelque chose de moins coûteux. Un instant, je vous en prie. D'accord, madame. C'est mon mariage et je dois être top pour ma cérémonie. Donc parce que c'est ton argent que toutes les décisions te reviennent? Mais ce n'est pas vrai. Nous avons planifié ce mariage ensemble et avons pris les moindres décisions tous les deux. Pourquoi tu dis ça? Oh, comme le fait que tu décides de payer l'organisatrice du mariage sans me tenir informé. Mais non, ce n'est pas vrai. Elle menaçait de nous laisser tomber et j'ai essayé de te joindre en vain. Tu sais quoi? Je m'en vais d'ici. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Le mariage n'aura pas lieu. Ah, bébé! Bébé! Quelqu'un devrait fermer ses yeux. Mes yeux sont fermés? Tu peux les ouvrir maintenant. Oh mon Dieu, bébé! C'est toi qui l'as fait? Oui, mon amour. Waouh, c'est adorable! Juste pour toi. Oh mon Dieu! C'est très beau. Il a du goût? Oui, c'est vrai. Il y a les noix de coco. Ravi que ça te plaise. J'adore. Et toi aussi, je t'aime. Voilà. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Qui êtes-vous? Je cherche madame Esther. Elle est là? Qui êtes-vous? Le chef m'a demandé de vous remettre cette voiture comme cadeau d'anniversaire. Ah, cette voiture? Oui. Attends, attends, je vais la chercher. Elle est à l'intérieur. Madame! Je pense que tu devrais le proposer à tes clients. Ils aimeront beaucoup et ça te ramènera des sous. Bien sûr, je le ferai. C'est une innovation. Oh, waouh, c'est vraiment beau. Tu es si romantique. Oui, entrez. Oh mon Dieu, c'est très beau. Madame? Oui? Il y a quelqu'un là dehors pour vous. Il amène une belle voiture. Il dit que c'est votre cadeau d'anniversaire. Une très belle voiture. Tu es sérieuse? C'est dehors. Oh mon Dieu, c'est monsieur à qui je l'ai. Tu es... Ok, d'accord, j'arrive. Ok. J'arrive, bébé. Tu connais à qui je l'ai, n'est-ce pas? Ouais. Il a promis de m'offrir une voiture comme cadeau d'anniversaire, en guise de remerciement concernant le contrat. En plus, je ne me doutais absolument de rien. Oh mon Dieu, ces gens. Ah, tu sais quoi? Je vais voir tu ça. Je partir. Suis de retour dans un instant. Trésor. Oh bébé, j'adore ton gâteau. Je reviens. Je suis de retour dans un moment. Ravi.
Où se trouve la reine du jour? Oh, je suis là. Hey. Wow. Oh, c'est très beau. Pour les anniversaires, oh, sucre d'orge. Avez-vous vu ça? Déjà 31 ans sur cette terre. Ouh. Tu le mérites, c'est... plus. Merci. C'est juste un gâteau, j'espère. Je te fais confiance. Tu sais quoi, Mabus? Assieds-toi, assieds-toi. Je vais te le dire. Crache le morceau. J'ai une tournée spéciale pour toi. Ok. Après ce jour, ce week-end, nous irons au Palace Versace. Sur le champ? Dubaï! Merci. Oh, merci chérie. Beaucoup. Bébé, c'est le plus grand hôtel du monde entier. Tu es sérieuse? Oui, trésor. Oh mon Dieu. Tu mérites le meilleur, mon amour. T'es... Je t'aime encore plus. Mais est-ce que tu es vraiment sérieuse? Viens me faire un câlin. Wow, c'est horrible. C'est l'hôtel le plus cher du monde. Salut. Wow. J'irai forcément avec vous, les filles. Oh, arrête ça. Excuse-moi, bébé. Je reviens tout à l'heure. Ok, d'accord. Je t'aime, tu es la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un. Je veux dire, dans ma prochaine vie, je veux être ta meilleure amie. Je sais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui cloche chez M. Sombor? Il m'a l'air très énervé. Oui, je pensais que j'étais la seule à l'avoir remarqué. Non, je ne pense pas, il va très bien. Vraiment? Oui. Moi, c'est une sonnerie. Si tu le dis... C'est quoi le problème? Oh mon Dieu! C'est... Mais... La puce, attends. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Ça, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais, ça. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Esther... Si tu me le demandais, je te dirais... Kinsley ne mérite pas tes larmes. Pas du tout. Comment a-t-il pu rompre avec moi le jour de mon anniversaire? Je suis une mauvaise personne? Non. 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 Qu'ai-je fait? Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il a fait est totalement impardonnable. C'est injuste. Au moins, ses sentiments étaient sincères. Oui. Laisse-moi encore y jeter un coup d'œil. Esther, je n'appartiens pas à ton monde. Je suis désolée de ne te le dire qu'aujourd'hui. Comment quelqu'un peut-il être aussi sans cœur? Comment? Au moins, il n'était pas ce G.O. qui a pris ma sœur pour un guichet automatique avant d'admettre qu'elle était véritablement trop sophistiquée pour lui. Je pensais que c'était du sérieux entre nous. Voyons, Esther. Ce gars avait l'air d'être un gigolo de première classe. Ce n'était pas de ta faute. Tu as essayé de le rendre sophistiqué, mais il n'avait aucune estime de soi. Je pense que April a parfaitement raison. Oui, Kingsley me semblait intimidé par ton influence. Ce n'est pas de ta faute. Désolée, je ne suis pas triste. Oh. Esther, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, ma chérie. Oh. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour elle?
crois-tu être? Dans un film? Je t'en prie, laisse-moi être ton Roméo. Namdi, c'est juste pour le sexe. Donc, je ne peux pas offrir des fleurs à la femme avec laquelle je couche? Merci. Autre chose? Oui, je dois aller à une conférence à Abuja ce week-end. Tu sais avec qui tu dois t'y rendre? Elle est partie rendre visite à sa mère. Alors, fais appel à une escorte, s'il t'est impossible de rester seule. Si. T'es en retard. Je sais, je suis désolé. C'est la troisième fois que tu le fais ce week-end. Je n'aime pas ça. Tu sais que c'est difficile de trouver un taxi dans mon secteur. Et les taxis ont doublé les prix. Ok, je te promets. Je te donnerai une fraction de mon salaire. Ok? Tu vois le couple qui est là-bas là? Oui. Ils ont payé. Okay. Tout le reste doit encore. C'est bon. Merci. Merci. À demain. Prends soin de toi. À demain. S'il vous plaît, vous devrez partir, nous allons fermer. Vous ne me ferez pas partir d'ici. Ah, un autre cas d'ivresse. Hé, je n'ai pas le temps pour les demoiselles en détresse. Réglez votre facture, rentrez à la maison, j'irai aussi me reposer. C'est quoi le problème? Je n'ai pas de copain, je n'arrive pas à m'en trouver un. Ok, j'aimerais que tu me payes ce que tu me dois. Comme ça, je rentrerai à la maison et toi aussi, tu iras te reposer. C'est quoi tout ça? Ah! Mon chéri, si tu m'aimes, oublie-moi. Tu t'en vas, tu me laisses. Pourquoi tu me laisses, chérie? Enfin. Qui es-tu? Tu ne te rappelles pas? Le serveur. Ouais. Où sont mes vêtements? Comment je vais me retrouver dans ça? J'espère que tu n'as rien fait de stupide. Ah. À part vomir un peu de partout, rien de spécial ne s'est passé. Tu m'as aidé à enfiler ceci? Ah non. Quand nous sommes arrivés à ce niveau,
Tu t'es débrouillée à le faire toute seule. T'inquiète pas, rien ne s'est passé. Quelqu'un viendra-t-il te chercher? Eh bien, je n'ai pas mon téléphone sur moi. S'il te plaît, appelle un taxi. Désolé, je n'ai pas de numéro de taxi dans mon téléphone. Mais je pourrais te déposer si tu le souhaites. Où sont mes vêtements? J'ai lavé tes vêtements ce matin. Je pourrais te les mettre dans un sac si tu le veux. Et qu'est-ce que je mets sur moi, ça? Je pense que tu n'as pas d'autre choix. Tu pourras garder les vêtements après utilisation. Je t'attends dehors. Mais que se passe-t-il ici? Monte, on y va. Que je monte où? Je pensais que tu me déposais. Ça, c'est un vélo. Monte, on y va. Ah, il est hors de question que je m'asseye sur ça. Bien. Hé! Hey! Et comment je suis supposée m'asseoir sur ça? Là, juste là. Allons-y. Ne me perds pas le temps. Je m'assois comment? Tu peux décider de t'asseoir comme ça ou comme ça. Assieds-toi juste pour qu'on y aille. Je suis en retard. Mais tu es brute. C'est quoi ça? Je ne suis pas à mon aise. Tu vas continuer à te plaindre ou bien t'asseoir afin que nous puissions quitter ce lieu. Je suis supposée t'arrêter ou autre chose. Ne m'arrête pas. Assieds-toi juste, on y va. S'il te plaît, amène-moi, je peux prendre un taxi. S'il te plaît, un taxi, je t'en prie. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Madame, je sais que vous avez demandé à ne pas être dérangée, mais votre mère vient d'arriver. Est-elle au courant que je suis là? Oh mon Dieu, elle a dû voir ma voiture. Si d'accord, tu peux partir. D'accord, madame. Bonjour, mon bébé. Maman. Tu ressembles à la momie. La même vieille histoire. Assez de tout ceci. Nous allons sortir. Maman, je veux aller nulle part. Je veux juste rester au lit. Chut. Je n'ai pas demandé ton avis. Hmm? Tricia. Oui, madame. Prends mes valises au salon et amène-les dans la chambre des invités. Tu sais combien j'aime mes affaires. Oui, madame. Hmm? Oui, madame Ike. Ok, vas-y. Lève-toi. Maman. Lève-toi et prépare-toi pour partir. Donne-moi juste un peu de temps. Je vais t'aider. Maman, arrête. Laisse-moi, je vais comme je ne peux pas le faire. Laisse-moi le faire. C'est d'accord. Ok, c'est d'accord. Patricia, pourquoi as-tu le visage comme ça? Où sont allées madame et sa mère? Anita, c'est quoi mon nom? Hé, hey, quelle question, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Serais-tu en train de perdre la mémoire? Ton nom c'est Patricia, pourquoi me le demandes-tu? Merci. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dans ce nom pour que madame et sa maman veulent me rebaptiser? Hein? Madame m'appelle Pat. Ce n'est même pas ce qui m'énerve. Sa maman m'appelle Trisha. Trisha, c'est mon nom. C'est ce qui te met en colère? Tu viens me poser la question. Si le nom ne te plaît pas, dis-le-leur.
Celle-ci t'appelle Pat. L'autre t'appelle Tricia. Tricia, si tu associes les deux, ça donne Patricia. Pourquoi ça t'énerve? Hein? Donc je peux t'appeler? Ta. Ou alors, Annie. Hé, arrête. N'essaye même pas. N'essaye même pas. Ne m'appelle pas Annie ou autre. Mon nom, c'est Anita. Et toi, Patricia, on t'appelle pas. Et l'autre t'appelle. Les noms qui te sont attribués ne me concernent pas. Appelle-moi juste comme il devrait, Anita. Donc c'est moi qui devrais répondre à ces appellations. Hein? Ces appellations sont pour les chiens et je ne suis pas une chienne. Si tu le prends comme ça, ça me concerne. En quoi ça me concerne? Hein? Elle t'appelle comme elle veut. Dis-la juste que ce n'est pas ton nom. Pourquoi me donner un nom qui n'est pas le mien? Ne me tente pas, n'essaye même pas. Mais il fallait me dire que tu as des vues sur mon travail, non? Donc tu veux qu'on me renvoie au village. Hein? Ne me fais pas rire. Ta manière de réagir. Attends, tu es malade? Va-t'en d'ici. Tu travailles derrière, n'est-ce pas? Va continuer ton travail. Regarde-moi, laisse-moi faire le mien. Ça te concerne. Laisse-moi te dire. Cette histoire de Patty qu'on m'appelle là. Mon nom, c'est Patricia. Patricia. Si tu m'appelles encore Patty, je vais t'appeler Annie. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'arrives même pas à le prononcer. Patry. Tu es malade? Regarde-moi. Ta tête, comme Patry, n'importe quoi. Hey, reviens ici. Qu'est-ce que tu fais comme ça, hein? Tu sais, le roi Salmo avait raison. Je suis d'accord. Un peu d'alcool, c'est bien pour l'organisme. Jette un coup d'œil sur le jeune homme qui s'approche. Je n'ai pas la tête à ça. Salut! Maman! Salut! Ouais, salut. Ça te dirait de t'asseoir avec nous? Ouais, ça serait un plaisir de m'asseoir en compagnie de deux belles dames. Merci. Je me prénomme Noé. Ok. Et elle, c'est ma petite sœur. Maman! Esther! Soyons francs. Est-ce que j'ai l'air d'une maman? Oh, tu m'as l'air resplendissante. Merci. Je m'appelle Eke. Enchantée de te connaître. Eke. Ça, c'est ce qu'on appelle coïncidence. Mon défunt mari s'appelait Eke. Waouh. Esther, imagine, tu épouses quelqu'un qui porte le nom d'Eke. Tu n'auras même plus besoin de changer de nom après le mariage. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Quoi dire de plus? Je vais bien. Ouais. Comment tu vas? Salut. Bonsoir, fils. Oh, mon Dieu. Oui. Maman,
Je ne pense pas avoir besoin d'une relation amoureuse maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une pause. Et j'ai besoin de petits-fils. Des petits-fils? Abraham est là, ta mère a besoin de petits-fils. Maman, mais voyons, tu es encore jeune pour parler de petits-enfants. Arrête ça, s'il te plaît. Allez. Ça ne m'intéresse pas. Ta sœur prend très bien soin de toi. Regarde-toi, tu as très bonne mine. Merci, maman. De rien. En passant, Sœurette, où as-tu passé la nuit dernière? J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'ai dormi à l'hôtel. Oh, d'accord. Dans tous les cas, il y a un sujet énervant. Le patron de la compagnie Ecops a appelé et il dit qu'il nous retire le contrat demain. Pardon? Il semblerait que quelqu'un leur a offert un meilleur service. Et crois-moi, tu n'aimerais pas savoir de qui il s'agit. Allô, Monsieur Noir, je vais aller droit au but. J'ai appris via le groupe Vine que votre décision d'écourter le contrat avec notre société est en fait le résultat d'une meilleure offre. 10% de revenus. Oui, quelqu'un allait dans notre dos pour le faire. D'accord, assez vrai. Alors, pouvons-nous nous rencontrer au bureau? D'accord, bye. Oui, je sais, donne-moi juste un peu de temps, c'est tout ce que je demande. Je reviendrai forcément. S'il te plaît, fais entrer les sacs et donne-nous quelque chose à boire. D'accord, madame. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu sais, je suis juste fatiguée. Il y a ces demandes de charité à qui on a eu recours qui est de 3 millions. Et on ne les a pas encore reçues. C'est juste qu'on réalise qu'on en a fait tout le monde en si peu de temps. Je veux dire qu'on a construit 3 maisons différentes à 3 familles différentes. Et nous créons des emplois pour une demi-douzaine de femmes qui sont sans emploi. Je veux dire, tout arrive au même moment et je ne sais plus. Waouh, c'est intéressant. Cela veut dire que tu fais quelque chose de bien. Bébé, c'est ma manière à moi de rendre les gens d'accord. D'accord, et je n'ai pas envie de les décevoir. Ok, d'accord. Que dirais-tu si je te donnais cet argent? Attends, tu es prêt à me donner ces 3 millions? Je ferai tout pour rendre mon bébé heureux. Tu es sûr? Oh bébé, c'est très gentil. Ce n'est que chose normale. Je t'aime. Merci beaucoup. T'as pas besoin de me remercier. Tu sais, je vais te donner les coordonnées bancaires pour que tu les transfères cet agent. D'accord, aucun souci. Je lui dirai qu'il est de moi. Merci. Bébé. Bébé, voyons, arrête-toi. Laisse-moi tranquille. Bébé. C'est quoi le souci, Abraham? Doucement. Que veux-tu? Je veux que ma fiancée revienne. L'as-tu aperçu? Ta fiancée? Oui. Allez, bébé. Abraham, on avait un rendez-vous hier, oui ou non? Oui, on avait, mais je t'ai envoyé un message. Un message? Oui, bébé. Le même message qui disait que tu devais représenter ta sœur à une réunion? Dis-moi, Abraham, dis-moi juste... Pourquoi elle ne pouvait pas être présente à cette réunion, hein?
Je suppose que c'est parce qu'elle a un amoureux qui compte pour elle. Écoute, écoute, bébé. Toi, mieux que personne, sais très bien que ma sœur se démène pour faire marcher notre société. Pardon? Un instant. Tu as dit notre société? Oui, notre société. Non, garçon. Je pense que tu devrais dire sa société que tu l'aides à faire marcher. Écoute, bébé, tu sais, ma sœur fait partie de ma famille. Attends, ta sœur, c'est ta famille? Ben ouais. Et je serai ton épouse. Alors, de quoi aurais-je l'air? Une mendiante? Voyons, bébé, ne parle pas comme ça. Allez, pourquoi parles-tu ainsi? Et pourquoi pas? Qu'attendais-tu vraiment de moi? Hein? Abraham, l'autre jour, on avait rendez-vous. Mais tu l'as annulé parce que tu devais accompagner ta sœur. Je ne sais où. Où diable elle se rendait? Mais allons, bébé, tu sais très bien que ma sœur est ma boss. Oh. Enfin, là, c'est clair. Maintenant, tu parles avec raison. Enfin, tu admets qu'elle est ta patronne, hein? Bah oui, c'est ma patronne. Tu sais qu'elle peut se réveiller un matin et décider de te foutre à la porte, n'est-ce pas? Écoute, bébé, c'est quasi impossible. Alors, arrête de parler de ça. Arrête. Ou elle épousera un homme et décidera de lui léguer la société en nous laissant sans sous. Mais arrête ça, chérie. Ma sœur ne peut pas se lever comme ça et décider de me renvoyer. Tu dois arrêter de dire ça. Abraham. Oui, bébé. Je ne vais pas m'y mettre avec toi. Je suis en train de crier dans la rue comme une femme qui a perdu la tête. Écoute, tu ne me rendras pas folle, d'accord? Laisse-moi tranquille. Attends. Ne me rends pas bête. Écoute, écoute, bébé. Peux-tu... Abraham, peux-tu je vais te donner un coup. Attends, je vais littéralement te faire mal. Salut toi. J'espère que tu n'es pas en train de vouloir me faire ta demande parce que je vais te balancer un truc sur la tête et elle va disjoncter. C'est juste un cadeau. Pour quelle occasion? Pourquoi est-ce que tu es si cynique? Les hommes ne tombent pas amoureux des femmes comme nous. Ils peuvent nous épouser pour de l'argent, mais pas par amour. Nous sommes trop bien pour eux. Ils préfèrent ces femmes faciles qu'ils peuvent contrôler. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de dénigrer la junte masculine. Et il y a des hommes qui aiment bien ce genre de femmes. Puis-je te poser une question? Aurais-tu épousé ta femme si elle disposait de plus d'argent que toi? Il est tout à fait naturel que les hommes possèdent plus de richesses que leur épouse. Il était impossible aux hommes de voler au-dessus de l'océan avant que les frères Wright n'inventent l'avion. Il n'était non plus possible aux hommes de parler à leurs proches qui étaient à des kilomètres avant l'invention des téléphones. Mais quand les femmes gagnent plus d'argent que les hommes, ce n'est pas normal. J'aime ton tempérament. Il aime mon tempérament. Les hommes aiment les femmes comme nous juste pour le sexe. Ils ne nous prennent pas pour être leurs épouses. Je connais ma place et je m'y sens bien. Referme la porte derrière toi. Malgré cela, je te laisse ceci. À bientôt. C'est quoi le problème? Je ne sais pas. Je crois que ça doit être une crevaison. Oh. D'accord. On fait quoi maintenant?
Un instant, je vais jeter un coup d'œil. Je vais appeler mon mécanicien. D'accord. Oui, allô? Bon après-midi. Comment va le boulot? Ok, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai un souci avec ma voiture. Ok, ok, je me mets tout de suite en route. D'accord, merci. Il dit qu'il est à l'atelier. Rendons-nous là-bas. Ok, conduis prudemment. Compte sur moi. Quoi? Un instant. Ce n'est pas Ike? Ike? Mais c'est Ike, mon mécanicien. Ton mécanicien? Oui. Lui, c'est Ike. Ike? Esther? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Fais-tu de la sorte? C'est mon atelier, tu vois. C'est mon atelier. Tu m'avais pourtant dit que tu es un ingénieur. Ouais, je suis ingénieur en mécanique. C'est pareil, non? Et tu as omis de citer cette partie? Cette partie qui est la source de tes revenus? Écoute, bébé, je suis le propriétaire de cet atelier. Ce que tu vois là m'appartient. Et si on se marie, on utilisera ton argent pour agrandir cet espace. Et ce sera bien, hein? Un instant, chérie. Est-ce que Ike, mon mécanicien, est le Ike dont tu parles? Oui. Oh Dieu, elle est terrible cette vie. Tu devrais avoir honte. Fait, tu es stupide. Tu es un menteur pathétique. Comment tu peux faire ça, mon ami? Es-tu malade? Ferme-la. Tu ne veux pas te marier. Bientôt t'atteindras la ménopause. S'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu lui parles ainsi? Écoute, bébé. Quand tu viendras avec cet argent, nous allons étendre cet espace et sera très grand. Ah, essaye de me comprendre. April, s'il te plaît, allons-nous-en. Pense-y, bébé. De nos jours, les hommes sont très vicieux. Pense-y. Que c'est? Mon ami, lève-toi de là. Oh, laisse-moi tranquille. Je veux rester dans mon lit toute la journée. À quoi se dit qu'est le mécanicien? Tu devras avoir honte de toi. Pourquoi c'est si difficile de trouver le vrai amour? Je veux dire, j'ai juste besoin d'amour. C'est tout ce que je veux. Peut-être que tu devras arrêter de chercher. Le mariage me rendrait vraiment heureuse. Attends. Et si je me faisais passer pour une pauvre fille? Peut-être je trouverais un prince riche qui tomberait amoureux de moi et découvrirait éventuellement que je suis une personne riche. Et il sera en colère que je lui ai caché que je suis une personne riche. Mais il me pardonnera certainement parce qu'il sera amoureux de moi. Et nous vivrons heureux pour toujours et pour la vie. Passons maintenant à la seconde étape. Tous les deux êtes déjà mariés. Et le prince commence à te détester parce qu'il ne peut supporter ton attitude excessive. À cause de son manque d'estime en soi, il te tue, puis commet un suicide. C'est quel genre d'histoire ça? Je suis sûre que tu n'as pas pensé à cette partie. Oh non, chérie. Ce dont tu as besoin, c'est d'un homme pour le sexe. Bien sûr que non. Si. Allez. Va là dehors, cherche-toi un bel homme, couche avec lui, sans toutefois espérer une bague à ton doigt.
C'est très facile. Il est hors de question que j'applique des conseils venant de toi. Surtout en relation amoureuse. Là, tu as raison, parce que je n'en ai aucun à te donner. Maintenant, lève-toi de ce lit. Allez, lève-toi. 1, 2, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Je vais apporter de l'eau. Lève-toi. Je vais t'apporter de l'eau. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Sucre d'orge. Madame, c'est notre heure de fermeture. Assieds-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ebuka. Ebuka. Moi, c'est Esther. Ravie de te connaître. Merci beaucoup pour la dernière fois. Je n'ai pas eu le temps de te remercier. Je t'ai apprécié. Oh. Je vous en prie. Ce sera tout. Récemment, j'ai fait face à beaucoup de déceptions dans mes relations amoureuses et mon amie chérie m'a conseillé d'entretenir des relations sexuelles pour m'aider à avoir un meilleur contrôle sur mes émotions. C'est bien pour vous. Alors, pourquoi me dire tout ceci? Tu veux goûter? Non, merci. La nuit dernière. Oh mon Dieu, maman. Je suis désolée de n'avoir pas prévenu. J'ai passé la nuit chez April. Ce n'est pas grave. Ce dimanche, je vais inviter quelqu'un à dîner et j'aimerais que tu sois présente. Qui? Quelqu'un que tu connaissais. Oh. Je l'ai rencontré pendant mon shopping. Cette personne n'a pas de nom? C'est une surprise. Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon fils. Comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Oui, je l'ai fait. Serette, tu n'es pas habillée pour le travail? Dans tous les cas, le président de Greenwich a appelé et il dit qu'il est en route pour le bureau. Oh, déjà? Oh, mon Dieu, j'ai oublié. Tu devras le rencontrer à ma place, d'accord? Oh, j'ai une réunion avec Samson ce matin. Mais tu peux le faire plus tard dans la journée. Et pourquoi tu ne le ferais pas, toi? Dans ce cas, que feras-tu? Dans tous les cas, j'ai rendez-vous avec Maria. Le rendez-vous avec Maria est-il plus important que la société que tu gères avec ta sœur? C'est bon, maman, je vais me débrouiller. C'est bon. Je vais très vite me préparer. D'accord. Ma puce, tu dois tout me raconter. Madame, tu es folle. Tu es vraiment, vraiment folle. Je le sais. Alors dis-moi, comment c'était? Bien, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je viens d'entendre? D'accord. Il n'y avait pas de pression. Aucune attente. Personne n'essayait de plaire à l'autre. C'était juste une totale liberté.
et de plaisir. Je te l'avais dit, nous sommes tous rattachés au sexe. En effet, le sexe est une grosse affaire. Ok. Désolée, madame, je ne dirai plus rien. Ok. Alors, est-ce que cet Olivier en demande plus? Oh non. Même s'il le faisait, je n'ai plus envie de le revoir. Je veux dire, après tout, j'étais très embarrassée. Pourquoi? Parce que tu es celle qui en a demandé? Voyons, chérie, les femmes devraient plus s'exprimer sur les affaires de sexe. La vie nous appartient. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Mmh? Tu m'aimes comme ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais bébé, c'est quoi ces manières? J'ai annulé mon rendez-vous juste pour être avec toi. Une belle rencontre est censée embellir ma journée. C'est quoi tout ça? Tu as annulé ton rendez-vous? Et Dieu, au lieu d'être ici, tu aurais dû y aller. Pour que les gens ne disent pas que Maria est en train de vouloir lui faire perdre son emploi. Pardon. Pardon. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est de ton amie? Elle t'est toujours prête à vendre sa voiture? Oui. Et combien as-tu déjà? Rien. Rien? Tu m'as dit garder de l'argent pour acheter une voiture, non? J'ai dû l'utiliser pour autre chose. Vraiment? En tout cas, je vais demander à mon conseiller bancaire de te faire un virement de 2 millions. Tu es sérieux? 2 millions? Ah, attends. Ah ah. 2 millions de Naira? Oui, 2 millions. Ah ah. Bébé, la voiture coûte 3 millions et demi de Naira. Où suis-je censé prendre le reste? Oui, je sais que c'est 3 millions et demi. Tu auras le reste le mois prochain. Pour le moment, debout-toi avec 2 millions. Et plus tard, on dira que tu es le frère du boss. Que viens-tu de dire? Oh bébé, je suis sans voix, je suis si heureuse. Je ne sais pas, merci beaucoup. Merci. Je pense que tu devrais te détendre. D'accord. Je suis très contente. Je dois m'en aller maintenant. D'accord. Prends soin de toi et sois prudente. Oui. Anita. Oui, ma. S'il te plaît, fais venir Esther. D'accord, ma. Alors, comme ça, tu t'en souviens? Pourquoi ne devrais-je pas? Elle a fait comme si le monde allait s'arrêter si elle perdait la compétition. Je ne m'attendais pas à la voir, alors tu peux imaginer mon choc quand je l'ai vue sortie de la voiture de son père. Et Monsieur Ike m'a fait lui promettre de veiller sur elle comme nous n'étions pas du même âge. Alors, dis-moi. Où se trouve M. Ike actuellement? Ça fait 7 ans qu'il est décédé. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Merci Johnny. Ce n'est pas grave, la vie continue. Johnny, c'est bien toi? Ma star. Oh mon Dieu! Tu es sérieux? Regarde-toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu sais qu'après le secondaire, on a emménagé à Kaduna. Oui, tu étais ennemi à une Joyce. Ouais, tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Tu sais, après avoir soutenu à l'université, plus tard j'ai été employé par Big Loafer et Jazz. Ooh. C'est l'année dernière que j'ai décidé de revenir ici pour lancer mon propre business. C'est bien. C'est vraiment cool. Merci. Alors dis-moi, es-tu marié? Non, je ne suis pas. Et qu'en est-il de toi? Tu l'es? Oh, tout... Toujours célibataire. Toujours célibataire. Ah, ta mère m'a dit que tu t'occupes de ta propre affaire. Une grosse entreprise. Non, techniquement, oui. Je n'ai pas eu la patience d'être salariée. Alors, j'ai décidé de construire mon petit monde et faire quelque chose pour moi. Bien, j'aime ça. Sais-tu que j'aurais aimé avoir la même idée en essayant de construire quelque chose pour moi? Il n'est jamais trop tard. Johnny, alors, comment vont tes parents? Vivent-ils toujours au nord? Non, ma mère et ma petite sœur se sont déplacées pour le village après que j'ai perdu mon père. Oh, c'est vraiment dommage.
Je suis vraiment désolée. Mon père aussi est décédé. Ta mère m'a dit. Oh, elle a fait? La vie continue. Sais-tu que je me bats encore pour trouver ma place dans ce coin? Elle va te faire visiter. Elle a passé 12 ans dans cette ville. Alors accroche-toi à elle. Ah. Oh. C'est bon, je vais te faire visiter. Alors dis-moi, comment tu te portes? Je me porte bien. Tu es tellement rayonnante. Oh, arrête, merci. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Dans tous les cas, tu ne t'anniras pas aujourd'hui. Non. Mange et bois sur toi, à mon compte. Mon estomac. Ok, elle est où cette fille? Merci beaucoup d'être venu et je suis désolée de t'avoir retenu si longtemps. On n'a pas reçu des invités depuis pas mal de temps. Tu te fous de moi? Non. Je veux dire que je pourrais passer la nuit si tu me le demandes gentiment. Ma star. Oh, arrête de m'appeler ainsi. Mais avant, ça te plaisait? Eh bien? Tu sais que t'es jolie. Merci. Je sais que t'as toujours été jolie, mais t'en es devenue une reine. Viens là. Passe une belle soirée, Esther. Meilleur à toi. Prends soin de toi. Oh mon Dieu. Maman? Oui? Tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais dans ta chambre. Eh bien, je suis allée dans ma chambre juste pour que vous ayez un peu d'intimité. Intimité? Qu'est-ce que tu t'imagines maintenant? Dis-moi que toi aussi tu ne penses pas à la même chose. Arrête de me regarder comme ça. Je l'apprécie. Mais j'ai peur. C'est que... j'ai peur de me retrouver le cœur brisé à nouveau. Écoute-moi, ma chère. Les cœurs sont faits pour être brisés. N'aie pas peur d'aller à un rendez-vous parce que tu ne voudrais pas que ton cœur soit brisé. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu trouves celui qu'il te faut. J'espère qu'après Johnny, je ne serai pas obligée d'aller chercher quelque chose dehors. Je l'espère aussi. Maman, toi oui. Et moi, nous devons avoir honte. Oh. Je veux dire, ce gars ne nous a même pas encore demandé à sortir et nous sommes là à planifier le mariage. N'as-tu pas vu comment il te dévorait du regard aujourd'hui? Je suis sûre que bientôt il fera partie du plan. Donne-moi un baiser. Oh, il l'a fait. Ça pourrait être un baiser de l'amitié. Bien sûr, un baiser d'amitié. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon Je bébé. Je t'aime. Va dans ta chambre, on se verra plus tard. D'accord, j'y vais. Ça t'arrange? Oui, ça va. Qui est honteuse? Moi? Oui, toi. Ok, je ne comprends pas un truc. Comment prétends-tu aimer cette fille pourtant tu l'as rencontrée aujourd'hui? Attends, tu veux dire que t'es pas attentif? J'ai dit que cette fille et moi avions grandi ensemble à Inogo et nous sommes comme des meilleurs amis. Et je t'ai aussi entendu dire que ça fait 10 ans que t'as pas parlé à cette fille. Alors, je veux dire, est-ce que ça nous empêchera de tomber amoureux? Dis-moi. Tu sais quoi? Laissons tomber cette histoire, ok? Tu es assez vieux pour pouvoir interpréter ce que tu ressens. Si tu l'aimes, je te souhaite le meilleur. Bien. Et concernant ton bailleur? Quelle a été la conclusion avec lui? Oh, ce monsieur. Ouais? Il veut toujours mettre l'immeuble en vente. Alors, il insiste que je sorte de son immeuble. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Tu es un avocat, tu peux le faire changer d'avis. Qu'est-ce que tu dis? Oui.
Je ne voudrais pas avoir pour ennemi un homme aussi puissant que Tief Adeshina. J'ai déjà une idée, c'est d'aménager quelque part. Tout ce que je veux, c'est d'un endroit assez grand pour mon équipe et moi. C'est bien. Dis-moi juste quand je pourrai t'assister. Pour de vrai. Mais bien sûr, comment? Merci, mon frère. Je trinque pour toi. À l'amour. Ton amour. Semble classe. En effet, c'est l'un de mes restaurants préférés. Vraiment? Oui. Waouh. J'aime cet endroit. Tu devrais goûter la nourriture, tu vas adorer. Je suis impatient. Ouais. Bienvenue, monsieur, bienvenue, madame. Merci. Voici le menu. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu choisis? Comme d'habitude, des saucisses accompagnées du calamar. D'accord, madame. Quoi? Il y a un souci? Non. Je veux dire que le menu me semble intéressant. Oui, ça l'est. Ils ont beaucoup de variétés. Ce sera tout pour le moment. Je ne vais rien prendre. Mais non, bien sûr que tu devrais y goûter. Non, je veux juste voir manger. D'accord? Tu es sûr de ça? Ouais, je suis sûr de ça. Ce sera tout, mademoiselle. Dans tous les cas, le plat sera assez pour nous deux. C'est tellement consistant. D'accord. Mais on devrait commander un supplément de calamar. Un extra? Oui, et une bouteille de champagne aussi pour la soirée. Parfait pour nous. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'un extra. Allons. Je n'en veux pas et je n'ai pas assez de temps, alors. Ouais. Ibuka, ces garçons sont des criminels. Peux-tu t'imaginer qu'une bouteille coûte 700? Même si c'est l'eau que Jésus a transformée en vin, c'est trop coûteux. Mon gars, tu es la cause de cela. Quand tu es entré et que tu observes le menu, tu devais appeler la fille et lui demander de venir pour que vous en parliez. Tu devais simplement lui dire que mon budget ne suffit pas pour ce milieu. Tout est simple. Accroche ton sac où tu peux porter, que d'essayer de vouloir te tuer. Attends un peu. Tu espères que je baisse la carte avec une fille que j'essaye d'impressionner? Alors parce que tu essaies d'impressionner une fille que... tu vas te tuer? Attends que je te dise. Cette fille est mon investissement. Une fois que je l'aurai épousée, tous mes problèmes disparaîtront. Je te le dis. J'ai cru entendre que tu aimais cette fille. Mais bien sûr. Est-ce que l'amour m'empêche de manger l'argent? Ok, bien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Bien sûr, je connais le jeu. Alors, quoi de neuf? Je tiens le coup. C'est tellement bon. April? Oui, maman. Dis-moi, quand nous présenteras-tu un homme? Quand les hommes deviendront des ballons. Pour le moment, ça semble encore drôle. Attends quand tu auras 45 ans et que tu te retrouveras seule. Esther aura déjà une famille à elle et en fera sa priorité. Tu seras pleine de regrets. Fais-le tant que le soleil brille encore. Maman, mon seul regret sera de donner mon cœur à un homme. À quelqu'un qui me dira « quand je suis grasse, quand je suis mince, quand je suis belle ou pas ». Je veux dire, le mariage est un mensonge. Pas quand tu rencontres la bonne personne. Exactement. Pour ce qui en est de moi, j'ai rencontré la bonne personne. Tu as rencontré la bonne personne? Oui, bébé.
Si t'acceptes de m'épouser, alors je t'emmènerai chez moi ce week-end pour que tu fasses la rencontre de ma mère. Comme la femme avec qui je passerai le restant de mes jours. Wow. Félicitations. Mes félicitations. Merci. Mes félicitations pour les gars, mais pas ce week-end. Pourquoi? Esther, souviens-toi que M. Tony t'a invité à son anniversaire ce week-end. Et tu ne peux pas le manquer. Ça peut attendre et tu peux bien me représenter. T'as déjà quelque chose de prévu pour ce week-end? Des plans? Seraient-ce des plans officiels ou des plans personnels et privés? Est-ce que ça devrait compter? Abraham! Maman! Tu veux dire qu'elle peut sortir avec son amoureux pendant que moi j'ai mis au travail le week-end? S'il te plaît, maman! Abraham! Je suis navrée. Je ne crois pas qu'il pensait tout ce qu'il a dit. Je vais lui parler. Désolée. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Bébé, ça va. On pourra aussi y aller dimanche. D'accord. Bébé, qui est-il? Tu vas bien? Bébé, je suis si fière de toi. Oh mon Dieu! Ce que tu viens de faire là-bas, c'est... Ça me provoque. Je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui pourra me défendre. Et ça m'excite, vraiment. Ah. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Alors, dis-moi, voudrais-tu qu'on s'en aille d'ici pour aller terminer la soirée chez moi? Ça semble intéressant. Je vais aller prendre une clé de voiture. J'arrive, bébé. N'oublie pas mon portefeuille et mon téléphone. Ok, d'accord. Super, c'est ce que j'ai toujours voulu. J'aimerais que tu saches que je ne te prends pas pour acquis. Et j'apprécie tous les efforts que tu fournis pour faire marcher l'entreprise. Le soutien émotionnel que tu m'apportes est le plus important, mon frère. Par contre, je n'apprécie pas ton comportement récent. Si tu désires travailler dans un environnement toxique, comment voudrais-tu que nous soyons positivement productifs? On a toujours vécu en paix. Et j'espère que ça va toujours rester ainsi. Dorénavant, j'assumerai mon devoir au bureau. Même comme en tant que directeur, il est de ton devoir de me donner un coup de main de temps en temps. Mais je le ferai pour que la paix règne. Alors, nous sommes OK? D'accord, Sœurette. C'est tout? Oui. Bien, dans ce cas, bonne nuit. Monsieur, que voulez-vous exactement boire? Du vin ou la spiritueux? En fait, je n'ai besoin de rien. Si c'est le cas, alors je vous ferai appel. D'accord, monsieur. Et mon frère, comment tu vas? Et ta copine? Cette fille est dangereusement extravagante. Tu aurais utilisé toutes tes ressources pour payer son shopping. Remercie le Seigneur que ta carte expire aujourd'hui. Je ne le savais pas. Je remercie Dieu pour les banquiers. Écoute mon frère, pourquoi n'essayes-tu pas d'être sincère avec cette fille? Je pense que si elle ne t'accepte pas telle que tu es, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Tu veux dire qu'une fille de sa classe accepterait de sortir avec un petit avocat brisé comme moi? Allons, frérot, écoute. Je continuerai avec mon jeu jusqu'au jour de nos noces.
Tu es en train de juger cette fille sans toutefois la connaître. Accorde-lui le bénéfice du doute. Ce que tu fais n'est pas normal. C'est elle qui est en train d'appeler. Allô, bébé. Comment tu vas? Mon cousin et moi t'attendons toujours. Est-ce que tu vas bien? T'as pris des antidouleurs? C'est pas grave. Ne t'en fais pas, on comprend. D'accord. Ouais, je t'appellerai plus tard, bébé. Elle ne viendra plus. On dirait qu'elle a des crampes. Les affaires de femme. Je pense que je la verrai une autre fois. Bien sûr. Permets que j'aille te chercher à boire. Quelle est la boisson que tu préfères? J'ai pas envie de boire quelque chose pour le moment. Je suis encore sous le choc. Crois-moi. D'accord. Je veux dire, c'était exagérément coûteux. Raison de plus pour boire. Vraiment? Ah. Avec plus de 7 milliards d'habitants dans ce monde, il a fallu que ce soit le gars avec qui j'ai passé une nuit. Comment es-tu sûr que c'est lui? C'est bien lui. Il est le seul qui travaille dans ce bar comme gérant. Ou alors, ça pourrait être un autre bar avec le même nom. Avec la même adresse? Oh, mon Dieu. Je veux dire, qui ai-je littéralement offensé, qui est en colère contre moi, qui ne veut pas me voir heureuse? Qu'est-ce que je fais? Mais ça n'a pas d'importance. Tu as couché avec son cousin avant qu'il ne te rencontre. Alors s'il ne te pardonne pas, ça veut dire qu'il ne veut pas. Ça compte. J'ai littéralement prié ce gars pour qu'il couche avec moi. Tu sais ce qu'il va penser? Que son cousin veut se marier avec une traînée. En fait, ce qu'il pense ou ressent ne compte pas. Ça compte pour moi. Parce que j'aime Johnny. Et je ne veux pas le perdre. D'accord. Tu sais quoi? Je n'aurais pas dû t'écouter. Maintenant, regarde-moi. Regarde en quel pétrole je suis. Je suis maintenant la mauvaise, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi aller nous chercher quelque chose à boire et à manger. Qu'est-ce que je vais faire? Estelle, où sont tes clés de voiture? Maman, cherche-les. Regarde dans la chambre, dans le tiroir, regarde partout. Demande au domestique, laisse-moi tranquille. Pourquoi ressembles-tu à une veuve? Oh mon Dieu, ne me dis pas qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Johnny. Il est encore trop tôt. Maman, on va bien. Tu veux juste rester là et te morfondre? Oui. Anita? Ma? Ouvre la porte. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Salut, bébé. Salut. Comment tu te portes aujourd'hui? Vraiment? Je te présente mon cousin, Ebuka. Ebuka, je te présente la femme de mes rêves. Salut. Ah, oui. Mon cousin m'a tellement parlé de toi. Et il ne cessait de mentionner ta beauté. Ouais, elle est, n'est-ce pas? Ouais. Bébé, je dois d'abord aller me soulager. Ce gars que tu vois là a bourré mon ventre de boisson. Ne commence pas, tu es celui qui a dit avoir besoin de s'amuser. Je dois vraiment me mettre à l'aise, ok? Ok. Écoute, s'il te plaît. Tu vois ce qui s'est passé la dernière fois? C'était ma toute première fois. Je ne l'avais jamais encore fait. C'était parce que j'avais des problèmes de cœur alors. S'il te plaît. Alors, c'est ça? Oui. S'il te plaît, ne lui en parle pas. J'aime ton cousin. Ah. C'est bon. Je ne suis pas un maître chanteur.
Ouais. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Quoi tu veux bien. Garçon. Oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Vraiment belle. Elle est comme tu disais et en plus. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Oh non, t'inquiète pas, on va bien. Je veux dire que nous buvons depuis le matin. En effet, un verre d'eau serait sans refus. Ok. Anita? Bébé? Ouais. J'étais sur le point d'emmener maman à l'hôpital. Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Je suis vraiment désolée, il y avait trop de bouchons. Maman, tu ne te souviens pas d'Esther? C'est la fille de Monsieur Ike. C'est là que j'appelais souvent ma star, à Inogu il y a longtemps. Oh, Esther! Ma? Ah, tu as tellement grandi. Bon après-midi, ma. Bon après-midi, ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, ma. Comment va ta mère? Elle va bien, ma. Et le boss, le gentil monsieur? Il est décédé, papa est mort. Ça fait mal. Désolée. Merci, ma. Maman, c'est elle que je compte épouser. Oh, ok. Bienvenue chez moi, ma fille. Merci. Maman, Esther est une grande dame. Elle a beaucoup d'entreprises et ceci est l'une de ses voitures. Elle est très riche, maman. C'est une grande dame. Finis ce que tu fais avec elle et rejoins-moi dans la voiture. Fais, tu m'accompagnes à l'hôpital. Tu connais mon programme. Oh, bébé. On dirait que maman ne m'apprécie pas beaucoup. Bien sûr qu'elle t'apprécie. Elle a l'hypertension. Le docteur a suggéré qu'on la transfère en aide pour une intervention. Oh, mon Dieu. C'est vraiment difficile. Combien coûte l'opération? Environ 10 millions de naira. Mais c'est beaucoup d'argent. Oui, bébé, je le sais. Mais je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour sauver ma mère. Elle est tout ce que j'ai à présent. Elle est ma petite sœur. Je sais, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, trésor. Je dois me dépêcher pour l'amener à l'hôpital. On se voit plus tard, je t'appellerai. Viens là. D'accord, il faut que je file. D'accord. Bye. Au revoir, maman. Johnny, fais tout ce que tu veux et qui te chante avec cette fille. Mais pour le mariage, dis-le-moi, je te trouverai une fille humble. Maman, qu'est-ce que tu dis? Esther est une demoiselle très humble. C'est une bonne personne. Je sais ce que je vois. Elle n'est pas humble. Elle va te transformer en esclave. Maman, ça signifie que je ne suis pas en mesure de doter une fille. Au contraire, une fois qu'elle aura payé ta dot, tu deviendras son esclave. Maman, qu'est-ce que tu dis? Johnny, amène-moi à l'hôpital. Amène-moi à l'hôpital. Non, tu ne le feras pas. Cette femme ne t'apprécie guère. Eh bien, je ne suis pas sûre. C'est juste une impression. C'est le meilleur moment pour faire machine arrière. Marche arrière? B. Je pense que si je lui donnais l'argent de son opération, peut-être qu'après ça, elle aurait changé d'avis sur moi. 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Essayes-tu d'acheter son amour? Mais non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoute, 10 millions n'est pas une grosse dépense pour ma future belle-mère. Ok, je n'en dirai pas plus, car je sais qu'il est difficile de te dissuader quand tu te fais une idée sur quelque chose. Ok, maintenant que tout est clair, tu peux, s'il te plaît, ne pas en parler à mon frère. Je sais qu'il ne sera pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. La nature ne l'est pas non plus. En fait, personne n'accepterait une chose pareille. Arrête d'être dramatique. Est-ce un oui ou un non? C'est d'accord. Merci. $10 millions de naira? Ouais. Gars, réfléchis un peu.
Comment tu raisonnes comme si je voulais la duper? C'est quoi exactement tout ceci? Non, c'est quoi tout cela? Parce que ma tante souffre d'une typhoïde, c'est tout. Attends frère, je vais t'expliquer ceci, d'accord? Je veux utiliser cet argent pour augmenter mon rythme de vie, afin de m'infiltrer dans son monde. Je ne te laisserai pas lui faire ça. Et comment comptes-tu m'arrêter? En lui disant la vérité. Ah, je sais que tu ne le feras pas. Je sais que tu ne le feras pas. Voyons, frérot. 10 millions arrivent. Ils arrivent. Pourquoi tu me regardes de la sorte? Eh, Bouka, je suis prête à partir. Ok, je vais prendre la relève, merci. D'accord. Eh, Bouka, pourquoi ne m'apportes-tu pas une autre bouteille? On doit s'empiffrer, man. Les 10 millions vont tomber. Dix foutus millions. Pourquoi suis-je même monsieur? Il s'agit de sa vie et son argent. Ah. Salut, demoiselle. Tu es si radieuse. Je suppose que quelqu'un est tombé du ciel. J'ai fait un petit déplacement hors de la ville. Je ne t'ai pas demandé de détails. Qui veut dire que je t'ai pas manqué? Ça aurait été le cas si j'avais le temps pour ça. On peut parler? Dans ma voiture? Namdi. On ne discute pas. On couche simplement ensemble. Mais si tu cherches quelqu'un avec qui discuter, rentre à la maison et parle avec ta femme. April. April, je t'en prie. Alors, de quoi s'agit-il? Ma femme et moi avons divorcé. Je ne comprends pas. Un instant. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Parce que si c'est le cas, je ne suis pas prête à occuper cette place. Pas exactement. Depuis que j'ai épousé ma femme, elle avait des difficultés à concevoir. Ce qu'il y a de pire, au lieu qu'elle me dise la vérité, il y a 3 mois, j'ai découvert qu'elle n'a pas d'utérus. Sans blague. Elle m'a dit qu'elle avait un genre de cancer. Cancer de l'utérus. Et les médecins devaient couper son utérus. Et elle te l'a caché? Pendant 7 ans. Il fallait juste qu'elle me dise. Il y a 3 mois, j'allais rompre avec cette décision de me marier.
Ah, je suis désolée de l'apprendre. J'étais un homme bon, et un bon époux également. Je lui donnais tout ce dont elle avait besoin, et même plus. J'étais aussi fidèle jusqu'à ce que tu apparaisses. Aimerais-tu aller prendre un café ou autre chose? Pas vraiment. En fait, je ne m'attendais pas à ce que mon mariage soit détruit. Je réalise que je suis amoureux de toi. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis tombé amoureux de toi le même mois qu'on s'est rencontrés. Oui. Ton indépendance, ta bravoure donne avec le fait que tu sois celle avec qui je veux être. Oh, assez de tout ça. Attends. Ce n'est pas parce que je compatis pour ce qui vous est arrivé à ta femme et toi. Je ne peux pas épouser un homme par pitié. Je ne le veux pas non plus. Tout ce que je demande, c'est que j'ai la chance d'avoir un vrai rendez-vous avec toi. Peut-être que tu finiras par m'aimer. Non, Namdi. Ce cœur ne peut pas aimer. Je ne pense pas pouvoir supporter ça. Alors, c'est un au revoir. Je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu entreprendras. Bébé. Bébé. Bébé, tu me semblais tellement inquiète au téléphone. Tout va bien? Je suis complètement finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bébé, parle-moi. Quelqu'un est mort? Comme tous les matins, je me suis rendue au bureau. J'ai découvert que tout était scellé. Ok. La banque a scellé notre entreprise. Pourquoi? Est-ce que votre entreprise est sous découvert? Non. J'ai découvert que mon frère a fait un emprunt à la banque et il a mis la maison et l'entreprise en gage. Ton frère? Oui. Et tu n'étais pas au courant? Non. Mais la banque n'a pas le droit de saisir votre propriété. Écoute, bébé, tout ce que nous avons à faire, c'est de prouver au tribunal que tu n'étais pas au courant de cette dette. Il est le sous-signé de mon compte. Tout ce que je possède, c'est lui le sous-signé. C'est terrible, ça. Bébé, c'est un gros problème. Je ne sais quoi faire. Ma mère est enfermée dans la chambre et refuse de sortir. Et le portable de mon frère est éteint. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas comment le joindre. Tu sais quoi, bébé? Écoute, tout n'est pas encore perdu. Tout espoir est perdu. Ils nous ont donné 48 heures pour libérer les lieux. Et bébé, s'il te plaît, ma mère dit qu'elle rentrera et nous goûte demain. Et je ne sais pas si je peux rester avec toi pour un moment, jusqu'à ce que je puisse m'en sortir, jusqu'à ce que je puisse me remettre ouais, ouais, sur pied. C'est d'accord, ouais. Écoute, bébé, je serai avec toi tout le long du chemin. Écoute, tu pourras rester avec moi aussi longtemps que tu voudras, d'accord? Je t'aime. Merci. Viens là. Désolé, mon cœur. Je ne sais quoi faire. Ça ira. Oui. Ça ira. Esther, tu perds ton temps. Il est exactement comme tous ces hommes là-dehors. Il n'est pas comme tous les hommes dehors. Je sais que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Il est différent.
Esther, tu penses que tous les hommes sont différents, jusqu'à ce qu'ils te prouvent le contraire. Tu sais quoi? J'en ai terminé avec l'amour. J'en ai terminé avec tout ce qui a trait à l'amour. Dorénavant, je compte vivre ma vie comme bon me semble. Ça, c'est ma fille. Maintenant, tu parles mon langage. Johnny ne se trouve pas ici. Ça, je l'ai remarqué. Puis-je t'apporter à boire? Je présume qu'il t'a parlé de notre situation. Oui. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ça ne l'est pas. C'est mon ami qui a eu cette idée pour... se rassurer que Johnny m'aime vraiment parce que j'étais sur le point de lui donner 10 millions de naira pour l'opération de sa mère. Nous devions être prudentes. Attends. Tu es en train de me dire que tu vas bien et que ton business ne rencontre aucun problème? Oui. Bien. Je sais pas ce que je peux te dire. C'est pas grave, je suis habituée aux hommes comme Johnny. Puis-je toujours t'apporter quelque chose à boire? De l'eau. Je pense que cette fois-ci, nous devons aller doucement. Ok. Non, Esther, arrête. D'accord, si tu le dis. Oh mon Dieu, je peux quand même t'enlacer. Je sais que ma relation avec ton cousin a été d'une courte durée, mais je voulais te remercier d'avoir gardé notre petit secret. D'accord. Si jamais on le fait, j'aurai quelques règles à moi. Faire quoi? Ça. Mais ça, c'est rien. Ok, si tu le dis. Ok, dans ce cas, j'écoute. Je respecte le fait que tu sois une femme d'affaires. Mais... dans mon monde, j'aime être le patron. Je suis le patron. Et j'aime quand tout le monde est sous ma charge. Mais je n'en ai pas terminé. Ton argent ne me dit rien. Je ne veux rien venant de toi. J'aimerais prendre soin de toi avec mes avoirs. Et je crois que... c'est tout.
Alors, sommes-nous en couple? Si seulement ça ne t'intéresse pas. Et qu'en est-il de ton cousin? Je saurai comment m'en tenir avec lui. Mange maintenant. Esther, tu es une folle amoureuse. Tu atteins du syndrome de l'amour. C'est pourquoi tu n'arrives pas à rester seule. Après, tu sais quoi? Tu as raison. Je ne suis pas comme toi et je ne sais pas comment tu t'y prends. Permets-moi de te poser une question. Et si jamais ta mère venait à découvrir que tu sors avec un gérant de bar? Eh bien, ma mère n'a jamais été de ceux qui s'intéressent au statut financier des personnes avec qui je me mets. D'accord. Et si elle venait à découvrir qu'il est le cousin de Johnny? Ça, on pourra gérer. Ne penses-tu pas qu'il soit plutôt après ton argent? As-tu déjà vu ou entendu Ebuka s'exprimer? Ce gars a une forte dose de fierté. Et c'est une chose dont je raffole sur lui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu es tellement pathétique. J'abandonne. Aucune autre question? Non, c'est bon. C'est trop à encaisser. Je sais. Tu veux dire que pendant tout ce temps, tu étais amoureux d'elle? Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais pour elle jusqu'à ce que nous fassions l'amour pour la deuxième fois. J'y croyais pourtant, mais elle, elle se jouait de moi. Non. Vous jouez tous les deux. Je dois me résigner, frérot. J'ai un voyage à préparer. Sommes-nous OK? Nous sommes OK, frérot. On se reverra. D'accord, bon voyage. Bonne nuit. Ma fille m'a dit que vous travaillez dans un restaurant. Oui, maman, je possède un restaurant. Tu possèdes un restaurant? Tu ne le savais pas? Eh bien, pour des raisons personnelles, Ebuka n'a pas trouvé nécessaire de me parler de cette partie de sa vie. Je n'ai pas laissé cela en retrait, juste que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Vraiment? Oui. Et comment se fait-il que tu travailles comme serveur? Tu as une entreprise à ta tête et tu travailles également. Ce n'est pas pareil. Je ne vois pas comment... Comment pourrais-tu le remarquer? Mais tu sers des gens, n'est-ce pas? Oui, tu sévises des autres. Hé, ma soeur! Ouais. Mon amour, wow, tu m'as manqué. Je suis partie une semaine. Comment se fait-il que c'est suffisant, arrête. Dans tous les cas, c'est beau de se sentir aimé. Oh. Hey, mon premier amour. L'Angola te va ravir. Vraiment? Mm-hmm. Tu sais, maman, j'ai même pensé à mes salaires en Angola. Mais allez, maman, voyons, je plaisantais juste. Et qui avons-nous là? Je m'appelle Ebuka. Le nouveau petit ami de ta sœur. T'inquiète pas, je t'expliquerai. D'accord. Tiens, tu devrais boire quelque chose. Oui. Prends le mien également. Oh, maman, arrête. Tu passes ton temps à faire des concours. Prends le mien aussi. Bonsoir. Madame, le dîner est servi. Okay. D'accord. Allons-y. Incroyable, Esther. Oui. Ouais. Ouais.
maman, arrête, comment tu peux dire ça? Ta voiture. Esther, reviens ici. Est-ce avec ça qu'il est venu? Oui. Et ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. Ok, si ça te va, alors ça me va aussi. D'accord. Tu sais, je pense qu'il est nécessaire qu'on change ta voiture. Ah. Juste parce que nous pourrions... Nous en parlerons. Pour le bien de ma famille. Nous en parlerons. Oui. Au revoir, maman. Fais attention. J'y vais. Oh, mon Dieu, je suis embarrassée. Maman. Je peux faire les deux. Vas-y, doucement. Deux plats. Oui. Tout va bien, chérie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes là pour acheter du plantain et du haricot. Mais on pourra manger une fois arrivé à destination. Non. C'est justement ici que nous nous rendions. C'est ça le restaurant? Oui. Voyons, bébé. On dit que l'humilité est la clé du succès. Vas-y, goûte, tu vas aimer, je t'assure. Tu vas aimer, tu vas te réjouir. Alors, madame, comment allez-vous? Bon après-midi, monsieur. Ah, je vais bien. Bon après-midi. Alors, fais-moi des plats. Donne-moi du poisson, du riz au tasier, avec de la sauce à comment. Et le tout me fera combien? 1000 naira, monsieur. Je pensais que ça faisait 800. Non. C'est bon, vas-y, serre-en. Bébé, tu sais, dans la vie, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Bébé, je pense vraiment que tu devrais déjà songer à quitter cette maison. Tu n'attends pas quand même à ce qu'on continue à y vivre après le mariage. Moi, je ne le ferai pas. Je n'ai pas la force pour les conflits de famille. Eh bien, bébé, en effet, j'ai une maison à moi. Ah. Oui, ma sœur a demandé à l'entreprise d'en construire une pour moi. Il y a quelques mois, les travaux ont été achevés. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
enfin j'ai 9 ans. 6 années. Ah, oh mon Dieu, mes bébés, pourquoi me l'avais-tu pas dit? En effet, je l'ai gardé comme surprise pour ma future femme. Oh, et je viens de te gâter la surprise. Désolée. Bah, pas tout à fait. Parce que ma femme n'est pas sur le point de le découvrir. Bah, écoute, Maria. Tu as un appétit vorace qui te rend très dangereuse. Et il est de ton genre de pousser un homme à commettre un meurtre. Bébé, mais d'où te sors-tu cela? D'un endroit vrai, Maria. Écoute, Maria. Si je t'épouse, je crois que je vais finir par envier ma petite sœur. Et tu sais ce que la jalousie a fait à l'homme? Elle peut évidemment le conduire à sa propre perte. Alors, j'ai pensé quand j'étais en voyage, j'ai besoin d'une bonne femme qui pourra m'aider à être une bonne personne pour moi, mais également pour la société et ma famille. Alors, je t'ai fait venir pour mettre un terme à notre relation. Ah. Abraham, es-tu malade? Non, 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 attends, Abraham, es-tu malade? Tu sais quoi, Abraham? Va en enfer. Tu peux aller en enfer et brûle-y. Mais attends, sérieusement, regarde-moi ce petit garçon. Regarde-moi ce petit garçon avec qui je sors. Mais es-tu malade? Tu devrais t'estimer heureux que je vais épouser un trou de cul comme toi. As-tu vraiment idée du nombre des hommes qui désirent m'épouser? Connais-tu réellement le style d'homme qui voudrait m'épouser? Hein? Au contraire, j'ai décidé de rester avec ce trou de cul en essayant de faire sortir quelque chose de toi. Et te voici braillé en parlant de famille quand j'essaye de faire de toi quelqu'un d'ambitieux. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas que je suis le genre de femme qui fera de toi le bikubana de demain. Au lieu de me prier de rester, tu es là à... Tu es malade? Tu devrais me supplier de rester à tes côtés. Tu es malade? Hein? Bonne chance. Abraham. Abraham, je suis désolée. Abraham, je ne le pensais pas. Oh mon Dieu. On peut en parler, Abraham. Pourquoi les ranges-tu? Bébé, nous n'avons pas besoin de ça, ça n'entre pas dans notre liste. Je sais, mais ce n'est pas si coûteux. Je les aime vraiment. Bébé. Bébé. Quoi? Nous avons déjà prévu tout ce que nous voulions avoir. C'est bon, je vais les payer. Ce n'est pas une affaire d'argent. Nous avons déjà pu avoir tout ce que nous voulions avoir. Ceci n'est pas dans notre liste, bébé. Ah. Ça, c'est ma liste. Je vais le payer. Ce n'est pas juste une affaire d'argent. Ce que tu fais maintenant, ce sont des achats sans intérêt. Allons-y, bébé. C'est bon, je t'assure. Allons-y. C'est d'accord, allons-y. Ah.
Il ne m'a jamais amenée au restaurant, maman. Jamais. Ma fille, tu es simplement ridicule. Tu ne l'as même pas laissé s'exprimer. Ça pourrait être son associé en affaires ou autre chose. Je sais ce que j'ai vu. Je vous ai dit comment on s'est rencontrés. La première fois que je l'ai vu, il achetait les vêtements à je ne sais qui. Il ne peut pas acheter les habits à sa sœur. Sachez donc que la fille avec qui je l'ai vue n'était pas sa sœur. Tu ne peux pas toucher les cheveux de ta sœur et l'embrasser en public, pouvez-vous? Après, il était présente, vous pouvez lui demander, elle a tout vu. Elle ne dira pas le contraire, c'est une féministe. Tu as raison, si cela peut te faire dormir la nuit. Sœurette, permets-moi de frapper ce garçon. Je n'aurais pas dû te laisser m'entraîner dans ça. Tu as besoin de trouver des réponses. Au moins, savoir avec qui il te trompe. C'est normal. Tu as raison. En tant que petite amie, je lui étais fidèle. Maintenant, tu vois où je veux en venir. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Esther Riquet, ça fait si longtemps que je suis amoureux de toi. S'il te plaît, fais de moi l'homme le plus heureux de la terre et dis oui. S'il te plaît. S'il te plaît, dis oui à mon frère cadet. Il t'aime tellement. Tu savais? Ah, oui, je l'étais. J'ai dû venir ici pour lui faire face. Parce que j'étais terriblement en colère, très furax. Il m'a tout expliqué. Il a appelé sa sœur et on en a parlé. Et il m'a dit ce qu'il prévoyait. Oui, je suis venue lui apporter la bague des fiançailles. Le fast-food appartient à mon mari et il parlait affaires. Joy, ici présent. Et ma sœur. Je suis désolée, je ne savais pas. Ne je t'en croyais... fais pas par rapport à ça. April. April m'a tout expliqué. Et c'est bon. Tu vois, je suis épris de toi. Et je ne blaguerai pas avec tes sentiments. Jamais je ne te décevrai. Mais pourquoi hésites-tu? Accepte l'amour de ta vie. Oh, tu nous perds le temps. Mon bébé, lève-toi. Oui, oui, je veux t'épouser. C'est tellement beau. Voilà. Félicitations. Tu es folle. Ça, je le sais. Merci. Ok, maintenant place au selfie. Allô? Allez, elle tout a dit monde oui. Place. Une vidéo. Ouais. Je tout t'ai... Monde Est-ce que vous tout m'entendez? Monde. Allô? Yeah. Allô? Souris, Esther. Allô? Vous m'entendez? Je vous entends. C'est génial. Ouais. Je vous je entends. Suis sans ses
Salut. Salut. Merci d'être venue. Tu es si radieuse comme toujours. Merci. Oh. Tu as décidé de porter ça. Oui. Alors, tu as demandé à me voir. Oui, assieds-toi. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré un garçon. Et nous sommes restés 7 ans ensemble. Je lui ai tout donné. Mon temps. Mon argent. Mon cœur. Mon corps. Mon amitié avec les autres. Je vivais pour le rendre heureux. Je l'ai envoyé dans une école de médecine pendant que je fréquentais encore. Et il t'a laissé tomber? Pour une fille riche. Il a dit qu'il avait besoin d'une stabilité financière pour ses futurs enfants. Et je ne pouvais pas la lui donner. J'étais dévastée. J'ai sombré dans la dépression. J'ai souffert. Mais quelques mois plus tard, je me suis relevée. Et quand je l'ai fait, je me suis faite la promesse d'être une femme de succès qui traiterait les hommes avec le mépris qu'il mérite. Mais je ne suis pas comme lui. Je sais. Je sais également que tu n'es pas après mon argent, vu que tu peux gagner le double si tu veux. Pourquoi alors tu ne m'as pas donné une chance? J'avais promis de te respecter. J'avais promis de te traiter comme la femme que tu es. D'accord. Vraiment? Oui. Je vais donner la chance à mon cœur d'aimer à nouveau. Et je fais la promesse de t'aimer jusqu'à ma vieillesse. Âge avancé, j'ai accepté de sortir avec toi et ne pas de t'épouser. Alors vas-y doucement. Nous irons jusque-là. Ah. Allez, viens par là. Ah, aucun secret. D'accord. D'accord.